Et à Montréal, le propriétaire du restaurant Saint-Boc, c'est une institution de la rue Saint-Denis, a lancé un mouvement un peu plus tôt cette semaine au resto sans ma carte de crédit. On en parlait avec Brigitte et Simon. Il compte maintenant offrir un rabais de 2 % à ses clients qui décideront de payer comptant ou avec une carte de débit. On en parle maintenant avec Dominique Tremblay, directrice à l'association Restauration Québec. Bonjour, Mme Tremblay. Merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Alors, si on comprend bien, le rabais de 2 % qui est offert aux clients, ça représente les frais de la carte de crédit. Oui, bien, approximativement, c'est sûr que les taux diffèrent selon les cartes de crédit, selon les ententes que les restaurateurs, les commerçants ont. Mais oui, en fait, c'est pour transférer ce montant-là aux clients. Donc, c'est une belle initiative. C'est certain que c'est peut-être tôt pour parler d'un mouvement, là. C'est l'initiative d'un restaurateur, mais tu sais, ça peut donner des idées aux autres. Puis c'est une belle sensibilisation aussi à la clientèle sur les frais réels là, que les commerçants paient. Est-ce qu'on sait en moyenne pour un restaurant annuellement tous ces frais liés aux cartes de crédit, ça représente combien? C'est sûr, ça dépend du volume de transactions. Vous savez, la plupart des gens, maintenant, on parle de 80 à 90 % de la clientèle paie par carte. Que ce soit débit ou crédit. De ce nombre-là, c'est un 2/3 en carte de crédit, je dirais. Donc, ça dépend du volume, mais c'est des centaines, voire des milliers de dollars là, par mois. Donc, par année également, c'est des frais d'exploitation importants. Ça fait vraiment une différence pour le restaurateur, les gens qui paient par carte de débit, parce que les frais de transaction sont de 10 sous et moins par transaction, alors que par carte de crédit, évidemment, ce sera le pourcentage qui sera appliqué sur l'ensemble de la transaction, incluant les taxes et le pourboire que vous versez. Quand même. Alors, c'est une bonne différence entre la carte Interac et la carte de crédit. Est-ce qu'on sait si ce type d'initiative, de mouvement est susceptible de modifier les comportements des clients? Bien, c'est certain que les cartes de crédit, il y a des programmes de points sur la plupart des cartes, donc c'est très attirant pour le consommateur qui voit un petit plus à payer de cette façon-là. Mais par contre, c'est ça, en sensibilisant les gens aux frais que... Et, il n'y a rien de gratuit dans la vie aussi. Ces programmes de points longs, c'est sûr qu'on les paye tous. On comprend l'attrait et tout, mais c'est certain que si les gens payent plus par carte de débit ou en argent comptant, ça coûte moins cher aux commerçants. Et ce rabais, j'imagine que c'est légal, offrir un 2 % Oui, tout à fait. Il n'y a rien d'illégal au niveau de la loi de la protection du consommateur. Ce qu'il serait, ce serait de charger des frais pour l'utilisation de ces cartes-là. Ça, c'est pas permis. C'est pas permis par les compagnies émettrices non plus, mais d'offrir un rabais, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Puis, depuis qu'il a lancé le mouvement, le propriétaire de ce restaurant, cette semaine, est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce que d'autres restaurateurs qui vous ont partagé qu'ils allaient se joindre au mouvement? Non, pas encore. On n'a pas eu d'écho de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas le faire, mais c'est qu'on n'en entend pas nécessairement parler. Ils ne nous appellent pas pour nous dire qu'ils vont le faire. Mais c'est une belle sensibilisation, comme je disais, à la clientèle, de la réalité des restaurateurs qu'il ne faut pas oublier. Eux, la pandémie, ils la vivent encore un peu en remboursant les prêts du gouvernement qu'ils ont dû prendre pour réussir à survivre pendant la pandémie. La clientèle est au rendez-vous quand même, mais il y a moins d'heures d'ouverture, moins de revenus. Il y a des régions comme Montréal, le centre-ville particulièrement aussi, ça a changé. Les travailleurs ne sont plus nécessairement aussi présents qu'avant. Donc, ça faisait beaucoup rouler les restaurants, évidemment. Donc, il faut comprendre que oui, c'est quand même difficile. Comme je disais, les clients sont au rendez-vous quand même. Ça va bien pour certains, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Puis on en parle depuis plusieurs mois. Il y a des restaurateurs même qui sont venus sur nos ondes pour nous partager que financièrement, entre autres en raison de ces prêts COVID, c'était plus difficile. Est-ce que vous savez si au cours des derniers mois, ça s'est quand même replacé ou on est financièrement, là, les restaurateurs, au même stade qu'à pareille date il y a quelques mois, là? Bien, écoutez, pour certains, comme je vous disais, ça va bien. La clientèle est au rendez-vous. Les gens dépensent quand même dans les restaurants. Un peu moins, peut-être, avec le contexte économique actuel. Mais pour certains, ça va quand même bien. Mais les prêts restent là pareil. Donc, c'est sûr qu'avant la pandémie, il y a des gens qui étaient libres de dettes. C'était le fonds de pension, leur commerce et tout ça. Et qui ont dû recommencer un peu à zéro en faisant des emprunts et tout ça. Fait que ça a vraiment changé la donne. Mais on espère qu'avoir un beau printemps, un bel été qui s'en vient. Quand il y a la belle température, ça aide toujours au niveau de la fréquentation là, des établissements. Bien, justement, Brigitte, notre collègue à la météo, nous a dit qu'à partir de lundi, il devrait faire un peu plus beau. C'est bon. Ça pourrait aider les restaurateurs qui pensent peut-être ouvrir leur terrasse prochainement. Tout à fait. Dominique Tremblay, directrice à l'Association Restauration Québec, merci pour votre temps ce matin et bon samedi. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.